Ah ouais, il y a une cinématique. Attendez. The Tome of Fates. It reveals the secrets of the past, the present, and what may come to be. Most would think me fortunate to own such a book. But I can only use it in service to others. That is my curse. It wakes, tormenting me once more. Feeding on the mysteries of this world. Unraveling them into opportunity. But opportunity for whom? Quelque part dans les désolations du chaos. Ah, magnifique cinématique. Bon, on va jouer à World of Warcraft 3. Total War. Vraiment découverte. Hein. J'ai jamais joué à un seul Total War de toute ma vie. Et Warhammer, je ne... Enfin, je connais de nom. Jamais joué à un jeu Warhammer. J'ai vu beaucoup de gens jouer à du Warhammer en général. Peut-être plus 40k. Ouais. Et Total War, j'ai vu, mais jamais vraiment trop joué. Jamais joué. Ça fait peur. C'est pas les orques dedans ou c'est. Il y a un truc, je crois que c'est les orques. Donc c'est pour ça le lore. Je ne sais pas qui ont des pouvoirs par rapport genre si tu mets du rouge sur ta voiture bah ça va plus vite avec la warg je crois j'ai un doute on va faire une campagne peut-être le chaos hein. On aime bien le chaos ou lui je sais pas, moi je sais pas Master of Fire. Là. Ah oui, c'est celui du Game Pass, donc il n'y a pas tous les 50 000 DLC. C'est quoi ça? Première campagne recommandée. Zhao Ming, le dragon de fer. L'air stylé. Il n'y a pas d'autres... c'est DLC. C'est DLC. Dragon Lord. On va faire un truc en mode... Ah oui, non, parce que... Par contre, voilà. Je sais pas, hein, moi, je teste. Je découvre. Ouais, on va mettre tout en facile et on est bon. J'avais vu des potes y jouer. Mais c'était des parties avancées. Donc... Et c'est un truc qui m'a toujours fasciné, les Total War, mais que j'ai toujours eu cette impression de... Ça fait peur quand même à y jouer. Hein. C'est comme Crusader King. Et ça m'a toujours fasciné. Et j'étais là en mode... Ouais, c'est... Ça fait peur quand même un peu. T'es là, tu fais... J'ai jamais eu l'occasion, donc. Je me dis sur l'une des licences qui a je trouve ça stylé. L'esprit de l'ours. And Cathay, a vast empire to the east, ruled by powerful creatures, dragons who can inhabit human form.
on est chez Pandaria donc. You are gravely mistaken. We have no interest in a mere god's power. No interest in power to use against the forces of chaos. I am Yao Yi, the Storm Dragon, older than the gods themselves. You are here for a greater purpose. This map shows the energy of all things. There should be harmony, but the world is unbalanced. My younger sister, Shenzu, bringer of light and hope. She ventured beyond the Norsken Mountains, but was lost. Without her light, darkness prevails, and our family has no comfort. Though I feel your loss, the Dome of Fates provides no insight to your sister's whereabouts. Ursa knows he witnessed her fate. Then why does he not tell you, Iron Dragon? There is mistrust between dragons and gods. If we save Ursa, he will tell us how to find Shenzu. Let me serve you, mighty dragons. I can reach Ursa. Lead you to him before it's too late. For one drop of his blood. Your destiny is to guide us. The armies of Cathay must breach the Maelstrom and march into chaos. Balance will be restored to the world when Shenzu is returned to you. Ok. Faut récupérer la sœur. Et donc, comment on fait ? Notre objectif est clair. Pour trouver la sœur disparue, nous devons entendre le testament du dieu Ours avant qu'il ne s'éteigne. Ok. My sister assumes it is her right to hear the Bear God's testament. Mais pourquoi c'est en français, en anglais des fois ? You will help me reach Ursun first. Je vous guiderai près du dieu mourant. Ah mais lui ! Il vous faut une grande légion, et pour cela vous devez apprivoiser vos terres ancestrales. Les hommes rares ont toujours infesté le désert de Malpierre, mais le rugissement du dieu les a enhardis. Exterminer ces vermines du clan Eshin. Au nord, votre absence à Shangyang a laissé un vide du pouvoir, aussitôt comblé par des rebelles. Quelle insolence! Le courroux du dragon doit s'abattre sur eux. Une fois que le désert sera vôtre, la tour d'Asher sera soumise à votre domination. Les routes de caravane sous son contrôle vous rapporteront les richesses nécessaires pour l'expédition dans le royaume du chaos. Attention à la gueule, car les ogres prennent cette fosse pour un dieu. Encore plus au sud, vous pourriez trouver des ennemis en quête d'invasion. La discorde ronge Grand Cathay, puissant Zhao Ming. Si vous voulez trouver Ursun, vous devez restaurer l'équilibre. Ce n'est qu'une fois chose faite que le dragon empereur vous tiendra en haute estime. Father loves me. Ok. Donc faut conquérir tout le monde. Puis on va chez le chaos. Comment ça marche? Est-ce que les touches sont bien? Oh, les touches sont bien! Incroyable. La route d'ivoire, d'accord. La vermine gagne du terrain, osant bloquer la route entre Port Agnew et Shangyang. On ira. Rappelez-leur quelle race lâche ils sont vraiment. Ok. On va lui en péter la bouche. Alors. I yearn to return to my fort. Prendre lui. Je vais taper lui. Non, lui il s'appelle Boileret. C'est quoi les touches? The Iron Dragon. Ah mais on a beaucoup de troupes. Ah oui, est-ce que c'est un jeu qui permet de découvrir pour la première fois ce style de jeu? La bataille est imminente. Étudiez vos options attentivement. L'ennemi est proche. Un résultat de bataille. D'accord.
perte faible. Vas-y, on prend part à la bataille. On va les... Je suis sûr, vaut mieux les laisser en mode auto. On peut mettre des pauses. Oh, il a une bonne tête, quand même. Et pourquoi il a pas de yeux? Enfin, pourquoi c'est tout blanc? Peut-être parce que c'est un dragon. Attends, mais j'ai même pas vu, j'avais quoi? J'ai des hommes boucliers, j'ai à la lance, j'ai des archers, j'ai des vaches, et oula, ah, et c'est quoi? Cavalerie flottante, d'accord, batterie, cavalier, ouais, infanterie lance projectile, d'accord, infanterie de lancier, des bretteurs. Bouger la caméra, d'accord. Donc là ils sont là, mais flottants. Oula, une bouche. Faire attention. Mes archers. Ça c'est quoi? Lance, guerrier, lance. Ça veut dire que c'est pas mal, non? Eux ils sont là-bas. Et je fais canaliser la marge. Les vents vous échappent. On a foiré? Sûrement. Commencez le déploiement. La grandeur au combat ne peut être atteinte que par un entraînement rigoureux. Même les plus doués des généraux doivent s'exercer. Ah, ça me perturbe. Alors, eux, ils sont tous en ligne. Dac. Pourrait leur rentrer dans le tas. Ce qui n'est pas dégueu. Ah mais attends, mais si c'est flottant, ils pourront pas nous toucher. On est d'accord. Commençons. The Iron Wind. Veillez à positionner précisément vos troupes pendant la bataille, monseigneur. Oh, ça tire loin. Pour un effet optimal. They will perish. Wind and fire. Defenders of Cathay. Wind and fire. Wind and fire. Defend the realm. Tue. Oh, Cathay. Tuez-les. Zut. Oh non non non, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, mettez-vous là. Ah oui, on peut faire ça. The celestial faithful. Ah, je me trompe. Never conquered. L'ennemi attaque vos flancs, commandant. Repoussez-le. Peasant archers, guided by ancestors. Ah, y a un truc avec ça, ça me perturbe. Ah mais c'est pas... Ah oui. Non mais qu'est-ce? Tapez-les. Mais ils sont fous. Ah il faut bien se... Oh merde. Ça panique. Pourquoi ils tirent pas? L'ennemi faiblit, monseigneur. Ses troupes commencent à fuir. Tuez les lâches. Attends. Ça, c'est mes archers. Archers. Pourquoi ils sont là? Ça, c'est quoi? JPP. C'est la merde. Archers. Et pourquoi j'ai pas... Tapez-les. Tapez-les. Warriors. Pourquoi ils tapent pas? Et eux? C'est la panique.
warriors. Remettez-vous en position. J'ai perdu tellement plus. Vos guerriers se fatiguent, puissant seigneur. Leur lassitude affecte leurs compétences au combat. Donnez-leur le temps de se reposer, même dans les batailles les plus difficiles. Ouais, bah... c'est un peu la panique. En plus, il y a lui qui... Abaissez-le ! Vite ! Il est tout seul ! Lui, il dort ? Pourquoi tu dors ? Va taper ! Ce carnage. Donc, si je fais ça. Oh, c'est la bonne touche. Ici. Ils vont taper eux. J'y crois, moi. C'est pas mal. J'ai un truc avec ce bouton. Tap. Le commandant ennemi s'échappe du champ de bataille, monseigneur. Quel spectacle pathétique. Son armée va sûrement le suivre. On a gagné. Yes. Tuez-le. Il est tout seul. Thoughts in harmony. Je pense à la deuxième bataille, ça devrait le faire un peu mieux. Oui, mettez-vous là. Vous êtes blessé. On peut l'exterminer. C'est quoi, au pire, on fait terminer la bataille et on est bon. Oh là là. Et putain, mais on est mort tellement. C'est nul. Au secours. Ah non, on a perdu que 35. Ah non, mais ça, c'est les kills. Pour savoir. Ok. On est fort. Donne-moi ton argent, monseigneur. Mais qu'en est-il du sort de ceux capturés au combat? Il peut être bénéfique de les garder. Mais parfois, l'indulgence ou la brutalité est préférable. On a gagné de l'XP. Attends, on peut exécuter les prisonniers. Vénérer. Grâce à la vénération, l'harmonie, ouais. Gracier. Trésorerie. On tue ou pas? C'est des rats, donc. Ça mène la peste et tout. On tue. On est impitoyable. Quoi? Qui êtes-vous? On va faire OK. Un puissant allié a rejoint vos rangs. Cool. Intégrez-le à votre armée. Ah, c'est elle. Outcast sorcerer. Comment? Oui. Attends. Victory! Forged in fire! Mais. Oui. Attends, on appuie sur le bouton. La discorde enflamme cette région. Renforcez votre armée avec plus de guerriers loyaux. Oh, d'accord, d'accord. Comment? J'accepte tout. M'y tuer au combat. Parfait. On est bon? Oui, donc. Elle nous a rejoint. Nani? C'est quoi? Augmente les revenus générés par le bâtiment de la province. Intéressant. Ça, c'est quoi? Camp d'entraînement. Au secours. Combien j'ai de trésorerie? Ah, j'ai tout ça. Ah, on gagne beaucoup. C'est bien. On est déjà niveau 2. Ça, on peut construire. Des dortoirs.
Je pense que c'est pas mal. Ça. Ah. On peut faire un enclos. Ça, on peut pas. Ça, qu'est-ce ? Projectile de tour améliorable. Harmonie. Yang Yin. Oh non, on a du Yin et du Yang. Poste de guet. Est-ce que ce serait pas bien ça ? Bureau de croissance. Coût de construction. Ah mais ça peut être pas mal ça. Revenu. Oh. Revenu généré. Marche aux puces. Empêche la construction de champs de description. Ouais. Ok, c'est l'un des deux. Ah, ok. Donc celui-là, construction du travail, salon T. 2% revenus générés. Mais là, mon 4% pour tous les bâtiments province locale. Je sais pas. Il n'y a pas un tuto. Après, je peux faire un enclos ou ça en attendant. Mais là, je suis pas en train de construire déjà un dortoir là. Mais ils ont tous la même tête. C'est quoi, on va prendre l'argent. Voilà. Prends l'argent. On aime bien l'argent. Donc toi, a priori ça c'est bon le port. The Iron Dragon's disciple. Donc ça a augmenté la mobilité. Ouais, vas-y. Feet become fleet. The Iron. Donc là, ça rejoint. Parfait. Ah, parce qu'on a ça, mais... Ah, il y a un truc chelou. Il faudra peut-être prendre cette ville. Pourquoi il y a un plus ? C'est quoi ? Je peux récupérer des unités. Intéressant. On va peut-être... ouais. Ça aussi. Dans un tour. D'accord. Et ça ? Oula ! Ok. I bring you glory, father. Sauvegarder personnage. On est bon. Victory. C'était quoi ça? Forged in fire. Permet de une vas-y, on va faire ça. Et Nani. Munitions, plus 10% des 1 paysans à la retirée du dragon céleste. D'accord. On va prendre la lance. Let's go. My gift to the people. Qu'est-ce qu'il reste? Caravane. La route d'ivoire. Les caravanes que 1 en la liste, vous pouvez voir leur niveau. Ah, vous pouvez choisir le volume de cargaison. Les nœuds. À vous de tracer la route hein, de votre caravane doit emprunter pour... Vous pouvez modifier sa route après qu'elle a été envoyée et donc éviter les dommages. D'accord. Donc là ça appuie. Après avoir choisi votre route initiale, appuyez sur le bouton.
Donc ça, ça me dit, fais ça. C'est ça. Mais on est où? Je sais pas, vas-y. Ouais. We must bring all... C'est une caravane. Passe le tour. Oula. La ville de Xenwu peut sembler en ruine, mais elle a la puanteur des hommes rats. Oh, les hommes rats. Bande de Kurgan. Ne reste rien. Allez. As hot as the forge is hot. On va y aller. This joke lacks humor. Bah. Fire and metal. The path of metal. Le métal. Beyond mind and matter. Bah, on va attendre. Et pourquoi on est en machin là? J'ai activé, mais c'est toujours actif. The Desert Alchemist. Ah, faut que j'enlève. Ça. Oh, Xiangyang worships me. Ah, le Tatakai, d'accord. La cité a été atteinte, et vos guerriers sont parés au combat, puissant seigneur. Heureusement que j'ai recruté des choses. Chaque option. Encercler l'ennemi afin de l'affamer reste la meilleure stratégie. Vas-y, on encercle. On tente le siège. Et donc, ah, ça on peut construire. Vas-y, on construit un numéro 2. Oh, un maître assassin. Oh, c'est un méchant. Jusqu'à quand on va attendre? Est-ce que lui il va... j'aime pas. Il va où là? Il va dans ma capitale. The infinite might of Xiangyang. Donc on a la technologie. House of Secrets. Je peux pas. Est-ce que j'ai des gardes? J'ai des gens ici? Non mais j'ai personne. Si, j'ai tout ça. D'accord, c'est pas mal. Wow, 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 la boussole, grand mur, force définie de la Roman énergie, l'axe céleste. D'accord, je dois choisir. Non, force définie par la réserve d'énergie, toujours actif, mais c'est toujours actif. Si je fais ça. Ah, ça l'augmenterait de 1, d'accord. Menace du grand bastion, moins 2% par tour. Coût de recrutement. Intéressant. Revenu généré par tous les bâtiments. Chance d'augmenter la puissance des vents. Autorité. À la colère. En vrai, peut-être celui-là, hein, pour avoir juste un en plus. Co-option, moins 4. Commandement ennemi, moins 6. Vas-y, on va mettre lui. Ah mais attends, mais je suis pété de thunes. Est-ce que toi, je peux pas recruter? Ah, il est où mon perso? Il est là. Non. Ah, parce que je suis plus dans le machin. D'accord.
Mais lui, il va tenter quoi? Je sens qu'il veut nous attaquer. Oh, succès. La boîte aux merveilles, je me dis halluciné, vous présente fièrement un coffre orné qui... D'accord. Inhaler le contenu vous-même. Oh, plus de lignes. Ajouter à la réserve d'eau. Croissance plus 20. Autorité plus 6. Exécuter l'alchimiste. Ou ne rien faire. Je sais pas. Ça donne quoi le yin et le yang là? Vas-y, Ginal. Ceux qui servent votre cause gagnent de l'expérience avec le temps, monseigneur. Assurez-vous de les guider dans leur progression pour mieux vous servir. Oui, ils vont me suivre tel un puissant homme charismatique. Rend des gens et des... D'accord. L'un de vos partisans a gagné de l'expérience et vous pouvez désormais développer ses compétences. Voyez par vous-même. Donc... peut avoir le tacticien. Ça, qui débloquera ensuite ceci. Difficile à atteindre. Oh! Un tacticien, ça. Compétence passive, optimisation. Temps de rechargement, plus 5. Défense en mêlée, plus 5. Intéressant. Gain d'expérience de l'unité par tour, plus 75. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est bail d'XP gagné pour tout le monde. En vrai, coup pour que les caravanes prennent. Ah, ça, ça peut être pas. Ah, le charisme, évidemment. A tool of great efficiency. Oh, c'est toi là qui. Ah oui, non, mais c'était mal foutu parce que ça me donne le machin, sauf ça clignote ici, sauf je l'ai déjà fait et à. Oh, il y a des... Oh, il y a des armes et des armures. Seigneur et héros. D'accord, merci. Mais ça, c'est la caravane. Bon, il a du charisme, voilà. Moi, je suis là. On sait quand que je peux attaquer. Parce que là, il perd du moral, mais... Moi, j'ai envie de... Ah oui, ça se voit qu'ils ont un peu diminué. Vas-y, on encercle encore. Moi, je veux voir ce qu'ils vont faire, eux. Ah, on sait qui... qu'est-ce qu'il y a. Plus ou moins. Il se barre. Oh, c'est un espion. Un espion assassin. Ouais, nous sommes maintenant concentrés sur le yin. D'accord. Recherchez l'équilibre dans tout ce que vous entreprenez. En ces temps incertains, maintenir l'harmonie au sein des forces contradictoires de la nature se révélera. Ah ok, faut que je sois en mode un peu entre les deux. Parce que... Yin, on est à deux. D'accord. Relation diplomatique plus 10. Croissance. Quand les Yin et un sont égaux. Ah oui! Donc là, prochainement, faudrait que je prenne du Yang. D'accord. Intéressant. Saccager les terres de l'ennemi, puissant seigneur. Envoyer des guerriers massacrer les paysans et brûler leurs villages. L'ennemi doit vous craindre. Bah, let's go. Je vais prendre la bataille. Je vais brûler tout. Pas beaucoup en plus.
on est mieux. Ah oui, on a deux héros. De héros à zéro. Alors cette fois, on essaye de faire mieux que tout à l'heure. Ça risque d'être compliqué. Comment c'est le déploiement? On canalise pas. Vos forces sont prêtes à prendre d'assaut les défenses. Mais je vous conseille la prudence. Vous faites face à un ennemi retranché qui a eu le temps de se préparer. Prenez garde. Donc il y a deux passages. Ok, je peux pas monter plus haut pour voir. En fait, je trouve ça chelou. Le déplacement comme ça, ça me perturbe. C'est quoi ça? Ok, un tarier. Donc oui, il y a deux passages. Il y a un passage ici et un passage là. Donc il faudrait potentiellement nous séparer. Mais après, est-ce que c'est le meilleur bail, Nani? On peut être ici aussi. Oh, ah. Ça peut être plus ou moins intéressant. Ouais, mais est-ce que c'est pas galère? J'ai pas testé. Est-ce qu'on peut faire pause pendant la bataille? Ça, j'ai peur. En vrai, dans ce cas-là... Oh non! La télé qui va s'éteindre. Donc là, j'en ai trois. D'accord. Toi. Mets-toi là. Toi. Comme ça. Ensuite, toujours des archers, ce serait pas mal. Les archers, on va les mettre ici. Ensuite, dans tout cas, c'est bloqué, donc on va devoir passer comme ça. Et après, là, il y a double chemin, c'est pas le must. Là, c'est peut-être mieux. Hein. Est-ce qu'on n'en verra pas une petite frappe ici, une plus grande là-bas? Je pense qu'on va faire ça. Shengyang's people! Defenders of Cathay! Non, je sais. Shengyang's people! Avec toi. Là, toi tu recules. Voilà. Ici. Thoughts in harmony. Peasant archers. En fait, on est en contrebas. Oh. C'est pour ça. Et ça risque d'être tendu. Non, toi tu vas aller là-bas. Voilà. The celestial faithful. In father's name. Ok. Ah oui, j'ai ça. Ok, toi tu vas là. Quoique. Non. Si on arrive à les mettre en hauteur, c'est win. Praise the dragons. Peut-être, nous on a besoin des dragons. Mais il est où l'autre? Sorceress outcast. Toi tu vas là-bas. Secours. Tu vas les aider.
voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui. Non mais on est bon. Je pense qu'on est bon. Commençons. Maintenez l'harmonie parmi vos forces. Oui, on peut pas. Au cœur des batailles les plus chaotiques, les défenseurs de l'Empire céleste donc se battent bien mieux lorsqu'ils le font main dans la main. Spears. Là, on peut avancer. Full Cathay. Toi, tu te mets là. March in ordered ranks. Ouh. Ici aussi. Dragon Guard. Vous attaquez. Pour l'instant. They will perish. Move as wind. Bringing harmony. Metal and fire. Go. Destruction rain. J'espère qu'il tape tout seul après. Hein. Ouais, parfait ça. C'est pas un premier méga cher. Ça tape. Ça tape tout seul, parfait. C'est dans la zone, ça touche. Archers. Ok, ça touche aussi. Donc. Vous allez poursuivre. Ensuite. Non. C'est là-bas. Acolyte of secrets. With pride. Ok, donc. Vous. Allez mettre. Allez donner un coup de main. Tapez. Exterminez-les en passant. Sauf que. Cavalry. The Iron Wind. Ouais non, ça peut être pas mal ça. Attaque. Vous les butez. Vous grimpez pour tuer eux. Nani. Où sont mes dragons? Pourquoi vous êtes en haut? Pourquoi ils sont en haut? J'ai dit qu'on finit, voilà, s'il vous plaît. Ils sont ribou. Avancez, s'il vous plaît. Voilà. Tu es tu. Ensuite, vous tous. Non. Bah, vous allez là. Qu'est-ce qu'il y a? Reculez. Reculez. Barrez-vous. Allez, on tue. Tuez. Ok. Nous. Tapez. Vous. Barrez-vous, barrez-vous. On se barre. Oh là, ça nous attaque. Revenez en arrière. Vous savez quoi? Mettez-vous là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Perdu. Ok.
avancer. Vous, Pierre, voilà. On avance. Mais détruisez-moi cette tour. Et vous, détruisez-moi celle-là. Non, vous pouvez pas. N'importe quoi. Nani. Tout ça. On tape. Oh là là. Vous aussi, réfugiez-vous. Passez-vous. Oui, c'est la merde. Là, c'est pas les miennes. Ok. Victoire. Comment ça, victoire? Victoire. J'ai gagné. Wouhou. J'ai rien capté. C'est quelque chose. On a gagné une ville. Oh ouais, c'est stylé, mais si tu connais pas, tu sais pas qui machin qui coup, reste ne dépend que de vous. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Occuper, on occupe la colonie. Ce qui donne instabilité de la province. Pénalité de conquête. Comment ça j'ai... Mais pourquoi j'ai... Il s'agit d'une pénalité d'autorité qui ne sera appliquée à la province que pour les... le prochain tour seulement. D'accord, mais pourquoi j'ai une pénalité? C'est honteux. En fait, piller, ça me sert pas à grand chose. Hein. C'est 600. C'est beaucoup. Vas-y, je vais occuper... Je peux raser. Celestial Empire ever grows. On va occuper, comme ça c'est à nous. Donc on a deux endroits. On a le port à New et ça bientôt. Je peux rien construire, comment ça? Chaîne de colonie ou 3. Celui-là. Je peux pas encore. Et là, qu'est-ce que je peux construire? Ah non, port, et là c'est... Ok. On va construire ça. Tu l'as déjà. Je peux déverrouiller? Ah non. Ah, faut que j'ai la cité des singes. Non. Quoi? Ah mais c'est que... Non, c'est les terres désolées de Jinsen, il y a 3 villes. J'ai bien capté. The Iron Dragon. Alors, c'est pour qui lui? Pour... Ah, c'est pour notre... notre héros. La présence charismatique. J'ai droit à un point en plus. Ah... Mmh. Oh, je vais pas jouer sortilège, je pense. Je vais être inflexible, et voilà. Vous avez besoin d'une base de pouvoir solide avant de pouvoir reprendre Shangyang et envahir le royaume du chaos. Posséder la province de Jinshen vous fournira cette assise. D'accord. On est la province. Donc là, c'est pour la... la madame. Ça, c'est quoi? Capacité... Métallurgique enchantée. Dégâts des armes de base. Ouh. Et ça... Main de plomb améliorée.
c'est un sort. Oh, je peux octroyer les revenus. Attends, assassiner. Oh. Ah, c'est... Ah, c'est comme ça, c'est... Main de plomb, ça peut être pas mal. En vrai, l'essor, ça doit être craqué, je pense. Peut-être la métallurgie enchantée, quand même. Ouh. Ah, c'est dès que t'appuies, t'es niqué. Ah, si je fais ça. Ah, c'est bon. J'ai peur. Oui, non, mais ça, ça, en fait, ça booste juste... Ouais, mais c'est pas ouf. Effet local constant, augmente les revenus générés par... Ouais, on peut mettre ça. Au moins, voilà. Par contre... Non. Détail du personnel. J'ai pas des trucs. J'ai cet objet. Incroyable. Oh, je peux pas le faire tourner. J'ai ça, c'est ça. Ah non, ça appartient à l'autre. Une potion. On peut mettre ça. Auxiliaire. Lié, attaché. La croix. Ah mais où je peux les renommer, c'est cool. Le recrutement global est disponible pour gonfler vos armées loin de chez elles, mon seigneur. Ah ouais, je peux recruter des choses. Flexibilité a un prix. Établissez vos forces près de chez vous autant que possible. Chut. On n'a pas de guerrier à arbalète de jade. Cool, what, pas mal. Mais si j'avoue, les guerriers, eux, ils ont pris cher, donc ils doivent faire très très mal, je suppose. Oui, non mais laisse-moi voir. Ah ouais, ah, c'est pour ça. Attends, attaque en mêlée. Anti-large, défense contre toutes les charges, remplaçable. Ah. C'est des paysans, c'est pour ça, c'est la cause. Pourquoi ils ont un plus? Ah, donc ça veut dire qu'ils... Ok. Ah oui, mais non. On va prendre... Voilà. En vrai, je les ferais bien barrer vous. Ah, je vais peut-être partir sur du 5. Quoique. Ouais. Coûte pas cher, hein. Entretien. Les structures de recrutement sont à leur capacité maximale, monseigneur. Comment ça ? L'entrée de recrues supplémentaires commencera aussitôt que possible. Ah oui, non, mais t'inquiète. T'es caté. Monseigneur, ah, je recrute. Une puissance rivale souhaite changer vos relations mutuelles. Comment ça ? Leur demande, c'est quoi ? Accord commercial. Par tour. Ok. Ils recevront ce paiement si le marché est accepté.
Mais c'est... ça sent la baise, non? Je suis moyennement... Pendant combien de tours? Ouais, je sais pas. Je fais une contre-offre. Oh, tu me laisses un accès militaire. Non, je... je peux lui faire augmenter. Je peux leur dire que. C'est quoi? Je suis gentil. 1000. Ok. On fait ça. Je peux pas leur envoyer là? Ouais, je suis généreux. 50. J'ai l'impression que ça marche. Hein. Non. Non, 50. Bon bah quittons. Au revoir. Donc ça c'est mon prochain. Cité des singes. Faut que je récupère cette région. Les cités principales seront fortifiées, sire. La capture de telles citadelles impliquera certainement un long siège. D'accord. On peut rester là en attendant. Ah non, mais ça, c'est pas le mien. Ok, ok. Ça aussi, là, faut faire attention, parce que c'est juste derrière notre capitale. J'aime pas trop ça. Pourquoi ça va péter, là? Ah, une mouche. Ah, ça, c'est à cause des rats. En fait, faudrait vraiment que... j'aille là-bas. Comme ça au moins je j'ai la région. Alors la map elle est grande comment? Je n'arrive pas à déterminer. Bah. Et mon perso. Lord of the Jade. Ah oui, il faut, faut attendre. Ah, en tout on peut en avoir 20. Tac. Ah oui, ça régène à chaque tour. Ok. Après, je pourrais faire deux. Est-ce qu'on est agressif? Genre, je crée une autre unité de combat. Qui? Je fais du recrutement en masse. Yo, Will. J'ai la thune. Il y a moyen, de faire des choses. Je sais pas si c'est le mieux. Oh, j'ai oublié de regarder si on ne peut pas améliorer des bâtiments. Parce que après il nous faut de nouveaux. Oh, ils sont 19 sur 20. L'aide est disponible si besoin est, monseigneur. Comment ça de l'aide? Pas besoin d'aide, moi. Get out of my mind. The desert alchemist. Ok, on a un bon. Attends, c'est quoi ça? Comment ça, 30 moins 10? C'est chiant. C'est ennuyeux. Il y en a 6. 6 guerriers. De jade. Ça, c'est pas beaucoup. Et pourquoi je peux pas avoir d'autres grands chevaucheurs de longue main? Parce que j'ai pas les capacités. Est-ce que je peux pas... Ça aussi, hein, c'est... Quand est-ce qu'on passe à des guerriers Jad boucliers, quoi. Jad halbard. Guerrier à arbalète de Jad, excusez-moi. Je
chaîne de colonies niveau 2. Moi je veux bien, mais lorsque vous améliorez le bâtiment de la chaîne de colonies niveau 3. Bâtiment de la chaîne de colonies. Qu'est-ce que c'est? Ça se trouve c'était un truc là-dedans et j'ai pas pris le bon. Non. Qu'est-ce donc? Wow, 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 qu'est-ce que donc que ça? Peglou. Mais il est en mauvais état. Mais oui. Attends, comment on fait? I crave. Sent by the secret house. D'accord. Lord of the Jade Swarm. Deux, tac. Tac, tac. Tac. Vous allez tous là. Pas du tout. 1, 2. I am no fool. Comment je fais? Like the touch of warpstone. A superficial task. Dragon blood. Et comment? Thrives in heat. Au secours! Comment je fais? J'aimerais. Ah, ok. Ça, tu vas là. Tac, tac. Tac, 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 tac. Non. 3. 2. 1. Et ça, on fait... contrôle plus. Alchemist of Shangyang. Je... les touche. JPP. Non. Pourquoi? Mais... j'appuie sur l'un ou l'autre. Mais pourquoi je... Pourquoi c'est aussi compliqué? Oui. As hot as the forge's heart. Pourquoi on peut pas juste les sélectionner et après fusionner les unités que... Ah non, mais ça c'est pour avec d'autres. Oui, c'est entre eux, d'accord. Mais pourquoi je peux pas les juste les faire glisser pour cette héroïne qui est là? N'ai-je pas le droit? Comme ça, ça, ça divise un peu. Comme ça, je peux attaquer de différents fronts. Non. Alt. Je... Après, il y a peut-être pas moyen de le faire. Ça m'étonnerait. Je suis perdu. Je peux renommer. Je veux pas dissoudre quand même. Mais. Peut-être un par un. A land of fire. Sauvez-moi. We are in Akshai's kingdom. Pourquoi? Forbidden elixirs. Perhaps. Ok.
Avec ses conneries, ça baisse notre tour. Super. Mine. Envie de mourir. Tambour durci. Croissance. Revenu. Ah, ça c'est bien. Et l'équilibre. On va prendre l'équilibre. Forge a new destiny. Et pourtant, c'est un vassal. Il devrait me respecter. Attends qu'on perd du terrain à cause de ces bêtises là. Forgive me for not recognizing you, friend. Okay. I took you for another. Qui me cause? Toi? Accès les militaires. La proposition. Ah ouais, ça nous paye. Et ils peuvent venir chez nous. Ah oui, rang de force 107. Nous on est 14. On est plus puissant qu'eux. Allez. Donnez-nous la maille. Vous n'avez pas besoin d'affronter seul vos ennemis. Car il existe des puissances étrangères qui sont bien disposées envers votre cause. Accepter un pacte de non-agression avec un dirigeant étranger vous permettra de créer une relation de confiance avec lui. Cela peut entraîner des relations commerciales, voire des alliances. Ruler of the Sky, bon, on va attaquer la cité des singes. Mais j'avoue que je suis un peu perturbé. Par rapport à la non... Je sais pas comment on fait. Au secours. D'ailleurs, ça c'est quoi? Entretien. C'est de l'argent. C'est différent. D'accord.